Vas-y. Regarde-la. Oh là là. C'est la sœur du sauveur avec des cheveux violets. Hein? Bon allez Camilla, tu veux faire du trampoline ou de la balançoire? Viens, on va faire du trampoline et de la balançoire. Bon, on va faire du trampoline, allez, on y va. Bon allez, ça va être bien. Mais c'est qui cette petite fille-là? T'as vu ses cheveux? Tu la connais? Ben oui, je la connais, elle est avec nous en vacances. C'est la petite... C'est les petites filles. C'est qui? Si. Tu la connais? Mais t'es sûre? Oui, je les connais. Mais eux, je les connais. Elles vont avec elles vont avec nous en vacances. Elles sont tout le temps avec nous. En fait, c'est la sœur du sauveur avec des cheveux violets. Hein? Quoi? C'est sa sœur. Ok. Et elles sont avec nous. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore sur le trampoline? Oh, elle a disparu. T'as vu? Je t'ai dit, c'est ça, la petite fille. C'est la sœur de la petite fille dans le... Tu la connais pas? C'est la sœur de la petite fille qui disparaît avec les cheveux violets dans les voiles. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. C'est sa sœur. Mais qu'est-ce qu'elle fait là encore? Elle nous suit partout, c'est pas possible. Viens, on va le dire à Papa Pink, Esteban et Papa. Ok, allez vite, on y va, parce que là, c'est vraiment bizarre. Bon, j'espère que moi, Sylvia va aller mieux, hein, parce que... Léo, on a vu la petite fille. On a vu la petite fille qui a les cheveux roses, qui disparaît. Dans le trampoline. La sœur de Sarah avec des cheveux violets. Oui, et elle a disparu. Elle a disparu, en plus. Et elle était dans le trampoline. Une petite fille qui a disparu. Oui. Mais qui a les cheveux quoi? Rose, mais d'habitude elle a les cheveux violets. Oui, mais c'est sa sœur. Et comment vous savez que c'est sa sœur? Parce que on l'a vu. D'accord. Elle parle de quoi là? J'ai rien compris. Mais vous vous rappelez pas au tout début quand on est parti dans les Vosges, il y avait une petite fille qui avait les cheveux violets qui disparaissait, qui apparaissait, qui disparaissait. Là, ça me dit rien. Et elle nous hantait un petit peu tout ça. Et là, vous l'auriez vue? Mais oui, dans le trampoline. On était en train de la regarder. Bah, elle sautait, elle s'amusait. Et d'un coup, hop, elle a disparu. Il y a du mal à y croire. Mais bon, tu devrais aller voir, peut-être. Ben, Comme tu veux, mais... C'est... Ouais, mais si elle a disparu, moi, j'ai pas du mal à y croire parce que on a déjà eu ce problème-là avec une petite fille qui a les cheveux violets. Mais là, les cheveux roses, par contre, j'ai jamais vu. À mon avis, c'est sa sœur ou qu'elle se ressemble? Elle se ressemble? Et pourquoi sa sœur? Sa grande sœur? Sa petite sœur? Sa petite sœur. Elle est plus petite que celle qui a les cheveux violets? Oui. D'accord. Ouais. Bon, elle a les cheveux roses. Elle a les cheveux roses, mais elle a la même taille que les cheveux de sa sœur. Elle vous a parlé? Non. Non, elle vous a pas parlé? Non. Ouais, ben, même si elle avait les cheveux violets, elle nous a jamais parlé. Elle nous a jamais parlé, donc... Bon, ok. Bon, mais j'espère qu'elle va pas réapparaître. On va voir dans la journée si elle réapparaît pas. Et voilà, on va... C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. A few moments later. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire à manger? Oh, bah tiens, des pâtes. Ouais, des pâtes avec une sauce tomate. Ouais, c'est impeccable, ça. Hein? Mais t'es qui, toi? Pour moi? T'es qui? Comment tu t'appelles? Tu vas me répondre? C'est bizarre, ça. Elle est disparue. Esteban? Lily Rose? Ouais. J'ai vu la petite fille, là, aux cheveux rouges. Je voulais préparer à manger. Et dans le garde-manger, qu'est-ce que je vois? La petite fille qui me regarde comme ça. Oui, oui, oui. Dans les étoiles d'arrêt. Tu me croyais pas? Venez voir, venez voir. Tu m'as à y croire. Là, elle a mais disparu, elle a hein. disparu, c'est elle a disparu, sûr. Allez, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Venez voir, elle était juste ici. Voilà, elle est plus là. Montre. Je lui parle, je lui demande qui elle est. Où ça? Là, juste là. Là où t'es, voilà, exactement. Bah, y'a rien. Bah, ouais, y'a rien. Elle a disparu. Y'a pas une petite fille qui va apparaître comme ça de nulle part. Elle s'est forcément cachée quelque part. Si, Esteban, je suis pas fou. Tant pis. Oui, bah, je vais poser la question. On va sûrement la revoir pendant la journée. La prochaine fois que tu la vois, tu la filmes, tu me montres. Ouais, voilà. Moi, j'en ai marre de ces histoires. Non, ça me plaît pas tout ça. Au moment où je vais poser la question, elle a disparu. Oui. Bon, je vais voir Mance, la pauvre. Elle est malade. Depuis ce matin, elle a vomi. Mance, ça va, mon chéri? Tu sais quoi, il y a une petite fille, soi-disant, avec les cheveux roses, qui a disparu. Comme la petite fille avec les cheveux violets.
Mais moi je l'ai pas vu, c'est Camélia Lily Rose et là il y a Papa Pink qui vient de la voir, donc ouais, c'est bizarre. Bon allez, ça va, je te laisse te reposer. Ouais. D'accord, allez. A plus tard mon chéri. Bon, Masmas malheureusement elle va pas beaucoup mieux. Hein. Bon allez, je vais aller voir ma Sylvia. Ça va ma Sylvia? T'es fatiguée? Je viens de voir la petite fille rose sortir du placard et le toi aussi tu l'as vu? Moi aussi avec Camilla ce matin on était dans le jardin, on voulait jouer au trampoline et elle était dans le trampoline et elle a disparu. Oh, toi aussi tu l'as vu? C'est bizarre ça quand même. Bon, je vois que t'es fatiguée, je vais te laisser dormir, te reposer. Au revoir. Bon, franchement, c'est bizarre cette histoire. Ouais, et tout le monde voit cette petite fille. Là, j'ai trop peur. Et pas nous. J'ai pas envie de la voir. Là. Ah ouais? Bah non. Ouais. J'espère que c'est faux et qu'ils sont tous en train de me faire. J'espère aussi. Là, même si tu dis qu'elle est. Oh mon dieu. Regarde-la! 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 Oh là là! Attends, j'ai halluciné. Tu l'as vu, c'est incroyable, elle est rentrée là-dedans. J'ai pas envie de rentrer là, on n'a pas de lampe de poche. Sinon je vais allumer attends, allume le truc, ton truc. De toute façon elle est bloquée, elle est là. Vas-y, rentre. Non. Non mais j'hallucine. C'est un fantôme ou quoi? J'hallucine, attends. Incroyable. Elle est où? C'est pas possible. C'est pas possible. Comme là il y a une porte secrète, non mais c'est pas possible. Non. Attends, peut-être par la fente là, mais... Non, c'est trop petit, elle passe pas par là. Non, elle passe pas. Elle passe pas. Et puis même, aussi rapidement. Non, même, c'est pas possible. Elle est rentrée, on est... On a ouvert la porte 3 secondes plus tard, elle... Ouais, vous me faites un prank, c'est pas possible. Non, c'est pas un prank, c'est... Non, mais c'est le même cas qu'on a avec la petite fille avec les cheveux violets. Incroyable. Donc ils disent que c'est sa petite sœur. Mais franchement, moi, je suis sceptique. Pourquoi, quel signe fait que ça serait sa petite sœur? Elle est nulle part. Elle est pas là. Non, mais de toute façon, elle devrait être là. C'est vraiment incompréhensible, les amis. On comprend pas du tout. Mais de toute façon, depuis ce matin, de toute façon, avec celle avec la petite fille avec les cheveux violets, il y en a d'entre vous, vous connaissez. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas ce phénomène. Ça me donne donc, mal à la tête, cette histoire, là. Ouais. Ben viens, on va prévenir Papa Pink, Lily Rose. Je t'ai pas dit. Massilia qui a dit à Lily Rose, c'est Lily Rose qui m'a dit ça, il y a Massilia qui a dit à Lily Rose qu'elle avait vu passer la petite fille avec les cheveux roses. Donc cette petite fille là, elle l'a vu passer. Ah t'es Massilia, ça va mieux Masmas? Hein? Moyen? Bon tu t'es levé, c'est que ça va déjà un petit peu mieux. Ouais. Vous savez quoi? Non. On vient de voir la petite fille rose dans le jardin, là, juste là. Incroyable, je l'ai vu aussi. Elle est rentrée. Elle avait dit que c'était vrai, tu ne voyais pas. Non, mais elle a disparu d'un coup comme ça. Elle est rentrée 3 secondes. Dans la cave là-bas, elle a fermé la porte, elle était bloquée, on l'avait attrapée. Alors tu vois, elle a disparu c'est dans bien yeux. Une fois. Non, elle a pas disparu dans nos yeux. Elle est rentrée dans la cave, elle était bloquée. On rentre dans la cave, plus personne. Là, c'est incroyable. Plus personne, ouais. Et au fait, il y a Lily Rose qui m'a dit que toi aussi t'avais vu la petite fille avec les cheveux roses dans la chambre. Oui, elle est sortie du placard. Pendant que je dors, elle m'a regardé comme ça. Après, j'ai un petit peu ouvert les yeux et je l'ai vue, elle a couru. Ah, elle a pas disparu, elle a couru, elle est partie. Oui. Oh, c'est incroyable. En fait, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Il y a maman qui est en train de faire la sieste en haut. Ouais. Donc, je vais pas aller la déranger, pas aller la réveiller. J'ai envie de partir. Ouais. Mais non, mais c'est pas grave, elle va repartir là. Il y a trop d'histoires là, c'est quoi ça? Moi, j'ai quand même, j'aimerais bien savoir. Ah non, c'est soit on trouve une solution, elle disparaît pour de bon, soit on. Ben moi, je pense qu'il n'y a pas de solution parce que là où on va, elle nous suit et elle fait ces choses-là. Celle avec les cheveux violets, elle, c'est une nouvelle. Donc, je sais pas qui c'est. Soi-disant, la petite sœur, je suis pas sûr de ça, moi. Mais bon. Elle te fait pas peur? Bah, elle a rien fait de mal. Bon, de toute façon, les amis, on va vous tenir au courant de ce qui se passe. Ouais. Et voilà, on se dit à très bientôt. Bye bye, les amis.